Mes chers collègues, je vous propose que l'on débute notre réunion de sorte à ce que l'on puisse retrouver les débats budgétaires qui animent l'Assemblée nationale avec beaucoup de vigueur ces derniers temps. Alors cette semaine, notre réunion de commission est consacrée à la communication sur le prélèvement sur ressources au profit de l'Union européenne. Ce débat, vous le savez, précède toujours le débat que nous aurons la semaine prochaine dans l'hémicycle. Et dans l'hémicycle, la Commission des affaires européennes intervient toujours. Et donc aujourd'hui, nous souhaitions pouvoir entendre le collègue Alexandre Leroyd, qui mène ce travail de suivi du prélèvement sur recettes depuis maintenant 5 ans au profit de notre commission, donc qui a construit une expertise tout à fait unique au sein de l'Assemblée nationale. Et donc c'est toujours précieux de pouvoir l'écouter. Et cette communication se fera aussi en présence, et je les remercie déjà, de Valérie Ayer et de David Cormand, qui sont tous deux députés européens, comme vous le savez, et qui appartiennent à la commission du budget du Parlement européen. Et donc, ils sont en visio, vous pouvez les voir, ils nous apporteront un éclairage, évidemment, très important sur les débats qui sont tenus à l'échelle européenne, et en particulier au Parlement européen. Avant de donner la parole à Alexandre Leroyd, je voulais simplement rappeler que les enjeux relatifs au financement du budget de l'Union sont d'une importance absolument capitale. Il ne s'agit pas seulement de finances, de techniques, mais de dire quelles sont nos priorités politiques au niveau européen, quels moyens notre pays consent afin de faire face aux nombreux défis de ce siècle. Notre discussion d'aujourd'hui et celle que nous aurons la semaine prochaine auront forcément une résonance particulière. Une résonance particulière du fait des nombreux défis qui sont devant nous, que nous connaissons déjà toutes et tous, le défi climatique et environnemental, qui est évidemment la première priorité, le défi énergétique, qui ébranle l'ensemble des pays européens, les défis technologiques, qui sont nombreux, et évidemment les défis économiques et sociaux que nous connaissons toutes et tous. Et naturellement, comment l'oublier, la guerre en Ukraine qui vient ébranler profondément notre continent et le monde. Et donc toutes ces crises confirment une chose, elles nous disent très clairement que c'est avec nos partenaires européens que nous devons les affronter, que c'est ensemble à l'échelle européenne, en plus des politiques nationales que nous élaborons et que nous débattons ici, que nous pourrons y répondre efficacement. Et donc ce principe de réalité, cette ambition, commande d'adapter nos moyens au moment politique que nous vivons en Europe et aux objectifs que nous nous sommes donnés, faire en sorte que l'Europe protège ses citoyens, qu'elle défende ses intérêts dans le monde et qu'elle continue à opposer un front uni face à la guerre que nous retrouvons sur notre continent. Je crois que c'est une question de crédibilité. On ne peut pas avoir des discours extrêmement ambitieux sur l'Union européenne, les politiques que l'on veut mener, notre souveraineté, notre indépendance, et dans le même temps, ne pas avoir un budget, ne pas avoir des prélèvements sur recettes qui nous donnent les moyens d'agir et de les réaliser efficacement. Et donc, cette ambition que je souligne, elle doit aussi être concomitante de ce que je qualifierais de solidarité européenne pleine et entière. Et donc, il serait dommageable d'aborder ce débat budgétaire simplement avec l'angle technique, comme je le disais au début, alors que derrière notre contribution se cache évidemment la cohésion de notre continent et ce qui nous permet qui doit nous permettre de relever les défis précédemment cités. Et dernier point sur lequel je souhaiterais insister, le budget de l'Union européenne ne sera, à mon sens, à la hauteur des exigences que nous vivons aujourd'hui en Europe le jour où celui-ci bénéficiera de ressources propres. Et c'est le seul chemin pour renforcer les moyens de l'Union et sa capacité à être moins dépendante des contributions des États membres de l'Union européenne. Et donc, contrairement à ce que nous pourrons peut-être entendre ça et là dans la discussion, mais ce que nous entendrons peut-être aussi la semaine prochaine en séance publique, nous pouvons nous réjouir que la France soit un contributeur net au budget de l'Union européenne. Et rappelons toujours que cette contribution finit par bénéficier à nos concitoyens, à nos agriculteurs, à nos pêcheurs, à nos artisans, à nos jeunes, aux personnes en situation de vulnérabilité, parce que l'Union européenne agit aussi pour venir à leur soutien. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préambule pour poser le débat, et je cède la parole sans plus tarder à notre rapporteur ou notre communicant, en tout cas Alexandre Leroyd, à notre cher collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission.
Chers collègues, mesdames, messieurs les députés européens, chère Valérie, cher David, ça fait en effet la sixième fois que je viens présenter le PSR dans cette commission, mais je vous assure que c'est un bonheur qui ne s'estompe pas avec les années, qui se renforce chaque fois. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour revenir sur cette question qui nous occupe annuellement ici et puis évidemment dans l'hémicycle. Alors, dans ce débat, évidemment, de façon budgétaire, il y a un élément qui est le prélèvement sur recettes UE, mais je pense que, comme le président l'a dit, ce qui est plus intéressant, c'est de se porter et d'utiliser ce débat pour se poser des questions sur le budget 2023 de l'Union européenne, et puis de se poser des questions sur les grands débats qui existent. Et Valérie et David, je suis sûr qu'ils pourront nous éclairer sur les ressources propres et d'autres éléments afférents au débat qui nous occupe aujourd'hui. Cela dit, il faut passer quand même par le budgétaire pur. Et du coup, je me dois de vous informer que le prélèvement sur recettes de cette année sera évalué en 2023 à 24. Alors, il y a une petite distinction en ce moment d'analyse entre les administrations de Bercy et la Commission européenne qu'on est en train de terminer, mais grosso modo entre un peu légèrement au-dessus de 24,5 milliards et 25 milliards, avec un différentiel de quelques 400 et quelques millions qui doit être affiné dans les semaines qui suivent. Il s'agit en fait d'un montant quasi stable par rapport à l'année précédente, qui ne doit pas occulter que cette contribution a augmenté de façon significative depuis le début des années 2020. En 2020, elle s'élevait à 21 milliards d'euros. Cette augmentation, elle traduit une ambition européenne évidente de la France, dont on ne peut que se réjouir, puisque l'Europe, évidemment, le président l'a rappelé, apporte des réponses efficaces sur des problèmes mondiaux qui ne peuvent et ne doivent être... Qui trouvent des réponses à l'échelon européen de façon beaucoup plus efficace qu'à niveau national. Je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse d'une deuxième façon, c'est que la recette qu'on évalue aujourd'hui, c'est aussi le reflet du succès économique d'un pays vis-à-vis des autres pays européens. Parce que c'est comme ça que la recette sur RNB est calculée, ce qui veut dire que l'augmentation, entre guillemets, de la recette française, ça veut dire en d'autres termes que la croissance française a été supérieure à la moyenne des autres pays européens dans les années précédentes. Et c'est pour ça que la pondération augmente sur la recette française. Donc c'est plutôt un bon signe pour notre économie, un bon signe dans les quatre des années, par rapport évidemment aux autres membres de l'Union européenne, qu'autre chose. Cette participation en hausse de la France contribue à affirmer et à soutenir les ambitions qui sont celles du budget de l'UE 2023. C'est le troisième du cadre financier pluriannuel des années 2020-2027. Et en 2023, il s'élèvera le budget total à environ 185 milliards d'euros. Pour rappel, les budgets européens, je suis sûr que Valérie pourra y revenir, mais sont d'abord négociés dans un cadre pluriannuel. Et en fait, ce cadre pluriannuel constitue la négociation principale des budgets européens. Et puis ensuite, ils sont décaissés d'année en année, évidemment, dans un cadre qui ressemble un peu plus à celui qu'on peut connaître à niveau national. Alors, l'utilisation de ce budget. La PAC et les politiques de cohésion continuent à orienter à peu près 60% des dépenses. Et ce budget vise aussi à poursuivre les priorités de long terme de la Commission, à savoir renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, simuler la reprise économique et la création d'emplois ou financer les très grandes transitions auxquelles on fait face, notamment la transition écologique et numérique, mais également à réagir à l'actualité en soutenant les partenaires et les intérêts de l'Europe et en donnant à l'Europe les moyens de continuer à influer dans le monde, notamment en compensant certains effets de la guerre en Ukraine. À titre d'exemple, des fonds sont mobilisés aujourd'hui pour renforcer la résilience des secteurs agroalimentaires et de la pêche et mettre en place un instrument de gestion de crise en vue des pénuries alimentaires qui pourraient être attendues. À ce budget stricto sensus de l'UE s'ajoute une enveloppe de 114 milliards d'euros qui prend la forme de subventions dans le cadre du plan de relance, en bon français Next Generation EU, génération suivante UE, pour faire une traduction en instantané, qui a vocation à soutenir la reprise et la croissance économique après la pandémie du coronavirus et à remédier évidemment aux problèmes engendrés par la guerre en Ukraine. Après le PSR et le budget, moi je veux insister, comme le président l'a fait, sur les ressources propres, afin que dès le début de cette législature, chacun ait des idées claires sur ce sujet qui vont être au cœur des discussions entre États membres dans les années à venir. C'est une des raisons pour laquelle nous avons invité
à nos amis députés européens à participer à cette réunion, même s'ils le sont de droit, c'est pour bénéficier de leur éclairage. Pour rappel, le budget de l'Union, il est financé par quatre types de ressources. Il y a d'abord les ressources propres dites traditionnelles, qui sont collectées par les États membres pour le compte de l'Union. Il y a ensuite une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée. Il y a une modulation de la ressource propre traditionnelle basée sur la capacité et la performance de recyclage des emballages plastiques non recyclés. Et enfin, il y a une ressource qualifiée d'équilibre qui est la ressource qu'on évoque aujourd'hui, qui est le PLSRUE. Je tiens à dire quand même, pour rappel historique, que traditionnellement, le budget européen, quand il a été créé, dépendait de façon écrasante de ressources propres. C'est graduellement qu'il s'est décalé peu à peu et que la pondération du prélèvement sur recettes est devenue de plus en plus importante, notamment avec l'affaiblissement des droits de douane au fur et à mesure que le marché intérieur s'est intégré et que les droits de douane partout dans le monde ont baissé. Aujourd'hui, il est prévu de revenir à ce qu'était l'origine du budget, c'est-à-dire à créer de nouvelles ressources propres qui viendraient s'ajouter à celles que j'ai évoquées à l'instant pour assurer notamment le remboursement du plan de relance européen Nouvelle Génération UE, qui a été financé, comme vous le savez, par un emprunt commun entre membres de l'Union européenne qui court à une maturité entre 2028 et 2058 et qui ne recourt pas pour l'instant d'augmentation de contribution des États membres. Cet endettement commun, pour rappel, c'était un pas en avant historique pour l'Union européenne qui a été poussé par la France de façon considérable. Pourquoi ? Parce que l'endettement, c'est dans une certaine manière précurseur d'une politique budgétaire commune, ce qui, dans une union notamment monétaire, est un élément qui a fait défaut à de nombreuses reprises à l'Union européenne. Alors, cet endettement, il va permettre de financer le Fonds social pour le climat pour lequel la France a beaucoup œuvré également. Et les discussions sur certaines de ces nouvelles ressources propres qui vont devoir être établies pour rembourser cet emprunt sont déjà bien avancées. C'est le cas pour la ressource propre fondée sur le marché du carbone européen et pour celle qui est fondée sur son corollaire, si je puis dire, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023. La Commission prévoit également de présenter en 2023 un nouveau paquet de ressources propres, lesquelles pourraient inclure, évidemment on n'a pas de certitude pour l'instant, une taxe sur les transactions financières et une contribution financière liée au secteur des entreprises. Les négociations vont être difficiles, elles le sont toujours en la matière, et la coopération devra être renforcée. La France soutient pleinement cet objectif de ressources propres pour continuer dans la même philosophie qui a prévalu lors de l'endettement commun qui a permis à l'Union européenne de ressortir de la crise avec une dynamique économique plutôt favorable par rapport à celle qu'on avait pu connaître dans des crises antérieures, notamment en 2008. Mais mes collègues européens en parleront certainement mieux que moi. Et du coup, sous le contrôle du Parlement, je leur laisse peut-être à vous et à eux la parole pour compléter éventuellement des éléments manquants. Merci, chers collègues. Je passe tout de suite la parole à Valérie Hayer et puis à David Cormand, dans l'ordre que vous souhaitez. Valérie, peut-être, pour commencer. Bonjour à tous. David, tu me laisses la priorité. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci, Pierre-Alexandre, Monsieur le Président. Évidemment, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire du lien entre nos institutions, entre ce qui se passe au national et ce qui se passe au niveau européen, parce que oui, on interagit. Et je pense que David, comme moi, on aurait préféré être en présentiel avec vous, mais on aura d'autres occasions de se voir. On est retenu à Bruxelles. Merci Alexandre pour ton exposé préliminaire et évidemment ô combien nécessaire pour rappeler le contexte et aussi grand enjeu que sont les ressources propres. Je vais concentrer mes propos autour de trois éléments. D'abord le budget de l'Union, ensuite la contribution française et évidemment la question des ressources propres et de la dépendance en fait de l'Union européenne aux contributions nationales au travers des ressources propres. Sur le budget de l'Union européenne, alors on va voter au Parlement européen sur notre position la semaine prochaine. On devrait demander une augmentation en engagement de 1 milliard d'euros par rapport à la nouvelle proposition de la Commission, là où, et c'est un grand classique si je puis dire, là où les États membres veulent réduire de plus de 2 milliards. Et donc l'objectif c'est de terminer les négociations le 14 novembre, si tout se passe bien.
Alors, ça a déjà été exposé notamment par Alexandre. Le budget européen, vous le savez, il sert à financer toute une série d'enjeux importants au niveau européen. La convergence économique entre les régions européennes avec la politique de cohésion, les aides aux agriculteurs avec la politique agricole commune, la recherche avec des projets transfrontaliers, les échanges d'étudiants avec Erasmus, les interconnexions ferroviaires, électriques et j'en passe. Et parallèlement, de plus en plus, on constate évidemment des attentes grandissantes envers l'Europe. Et ça a été évoqué à la fois par Pierre-Alexandre et par Alexandre, évidemment en particulier pour les défis auxquels tout le continent est confronté, particulièrement en ce moment, aider l'Ukraine, sécuriser nos frontières face à l'envahisseur, lutter contre le changement climatique, évidemment, qui ne peut pas se faire à l'échelle d'un seul État, développer des réseaux de télécommunications, 5G, 6G, avancer sur les achats de gaz en commun pour réduire les prix, instaurer une véritable solidarité entre nations quand certaines vont moins bien. On peut parler de la question industrielle aussi, avec les produits industriels critiques pour lesquels il est difficile de devenir indépendant au niveau national, mais pour lesquels on peut véritablement s'engager au niveau européen. La défense européenne aussi, qui a été longtemps portée par la France uniquement, et là les cartes sont un peu rebattues. Là, je cite quelques exemples, mais on pourrait évidemment compléter la liste largement. Et en fait, donc on a nos dépenses classiques, on a les attentes qui sont grandissantes vis-à-vis du budget européen, vis-à-vis de l'Union européenne. Et de l'autre côté, il y a la réalité des chiffres, de ce qu'on a dans les caisses de l'Europe pour répondre à tous ces défis. C'est d'ici à la fin du cadre financier pluriannuel, comme tu l'as dit, Alexandre, on a un budget qui est négocié dans un cadre pluriannuel sur 7 ans, avec des budgets annuels négociés ensuite sur la base de ce cadre. Et d'ici à 2028, il nous reste 10 milliards d'euros. C'est effectivement très, très faible compte tenu de tous ces nouveaux défis existants, sans même parler de ceux qui vont surgir probablement d'ici là, à n'en pas douter. Et véritablement, la taille rikiki, si je peux me permettre, du budget européen, 1% seulement du PIB de toute l'Union, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Et d'ailleurs, il faut le dire à titre de comparaison, vous êtes en train de négocier en ce moment, d'examiner le budget français pour l'année 2023, c'est 410 milliards d'euros. Le budget européen pour 27 États membres, c'est 185 milliards d'euros avec des attentes qui sont grandissantes. Alors oui, on peut attendre beaucoup de l'Europe, et on doit, je crois, en attendre beaucoup, mais on doit aussi en parallèle lui donner les moyens d'agir. On doit se donner les moyens de se défendre, les moyens de protéger les Européens et les Français, les moyens d'innover, et très clairement, les États ont leur rôle à jouer en la matière. J'en viens au deuxième point sur la contribution française. On le sait tous, et c'est un élément de fierté, la France a un rôle moteur dans la construction européenne. Elle l'a toujours eu, elle l'est d'autant plus aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs, la présidence française du Conseil de l'Union européenne a été un succès. Ces derniers mois, ces dernières années nous ont permis d'avancer sur tant d'enjeux, beaucoup d'enjeux sur notre continent. La France, elle est respectée par ses partenaires, mais il faut le dire, ce respect et cette confiance ne viennent pas de sa contribution au budget communautaire. Ils viennent de la détermination française à faire bouger les lignes, à aller toujours plus loin dans l'intérêt de tous. Et je voudrais quand même dire que je trouve ça assez dommageable qu'en retour de cette confiance, certains dans l'hémicycle de l'Assemblée avaient pour réponse de demander à retirer le drapeau européen ou ont appelé à ne plus respecter les traités si quelque chose les dérange. Donc, en France, on a certains qui fustigent la contribution de l'État. Moi, je voudrais quand même rappeler que ça a déjà été rappelé par Pierre-Alexandre et Alexandre, mais c'est important de le dire. Oui, la contribution brute s'élève à 25 milliards d'euros. Mais la contribution nette, elle s'élève à une dizaine de milliards d'euros en réalité. Deuxièmement, il y a la contribution budgétaire et il y a ce que l'Europe nous rapporte. Et le marché intérieur, il nous rapporte 124 milliards d'euros par an. J'invente pas, ce sont des chiffres d'académiques, 124 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que nos échanges avec nos partenaires et l'activité générée par nos entreprises pour notre marché unique, notre espace harmonisé nous rapporte beaucoup, beaucoup d'argent et bien, bien, bien au-delà de la contribution française. Et puis, oui, bien sûr, on doit se réjouir de cette contribution parce que c'est aussi le reflet de notre richesse. Dans la logique de solidarité, ceux qui paient moins, ce sont les pauvres et c'est les plus pauvres et c'est absolument normal. On ne pourrait pas en dire autrement. Et j'en viens au dernier point. En fait, le seul moyen de faire autrement, en réalité,
ce serait d'en revenir à l'esprit initial des traités. Et donc, clairement, s'assurer que l'Union européenne se finance elle-même en se rendant beaucoup moins dépendante des contributions nationales. Et c'est là qu'interviennent les ressources propres. Les ressources propres, elles ont regagné en pertinence avec le plan de relance européen, évidemment, parce que quand on a négocié le plan de relance européen, on a aussi prévu le remboursement. Et dans l'accord qu'on a conclu, il est bien prévu qu'on remboursera l'emprunt à partir de 2028 avec des ressources propres et pas avec des contributions nationales plus élevées. Donc, on travaille depuis 2020, très clairement et très concrètement, à ces ressources propres. On rentre dans le dur aujourd'hui parce qu'en ce moment même, on finalise les négociations sur les recettes du marché carbone, la révision du marché carbone qu'on appelle ETS. On finalise les négociations sur, dans notre jargon, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc la taxe carbone aux frontières, et aussi une partie des recettes de l'accord mondial sur l'impôt sur les multinationales, donc ce qu'on appelle le pilier 1 de l'accord OCDE. Donc, on avance bien sur les négociations sectorielles sur marché carbone, révision du marché carbone, ETS, et sur la taxe carbone aux frontières. Il va falloir ensuite une décision sur les ressources propres pour formaliser que ces recettes issues de ces dispositifs deviendront ressources propres. Et pour cela, il nous faut l'unanimité des 27. Donc, évidemment, on rappellera à l'ensemble des États membres qu'ils ont bien pris l'engagement en 2020 que ces recettes deviendraient des ressources propres. Et en parallèle, on est en train de travailler sur de nouvelles ressources propres supplémentaires parce que, avec les ressources propres qu'on a sur la table aujourd'hui, on n'atteint pas les 15 à 20 milliards qui seront nécessaires chaque année à partir de 2028 pour rembourser le plan de relance. Là, on est autour de 10 milliards, donc il nous faut quelques ressources propres en plus. Effectivement, la Commission y travaille, donc on table sur une taxe sur les transactions financières ou sur une ressource propre générée par l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, sur les grandes sociétés transnationales. Donc, on y travaille. On va présenter avec mon co-rapporteur sur les ressources propres, qui n'est pas français, mais David est impliqué en tant que shadow, on va travailler à de nouvelles idées, de nouvelles ressources propres pour inspirer et influencer la Commission, et on prévoit de déposer un rapport en décembre ou en janvier de l'année prochaine. Donc, on y travaille, on est actif. Je voudrais quand même dire que quand on sait que certains en France, pour ne pas citer le Rassemblement national, mais pas que, laissent sous-entendre qu'on ne devrait rien faire et qu'on devrait avancer en tant que Français, alors que la France est le troisième plus gros bénéficiaire du plan de relance, qu'on pourrait s'en tirer tout seul parce que le plan de relance européen nous coûterait soi-disant 67 milliards d'euros, puisque c'est faux, je viens de vous l'expliquer, on a négocié qu'on rembourserait avec les ressources propres. Très clairement, ça relève au mieux de l'ignorance, au pire de l'hypocrisie. Et donc ça, vraiment, c'est un combat qu'on mène collectivement au Parlement européen. Et avec David, on ne siège pas dans les mêmes groupes politiques. Pour autant, on est très mobilisés pour avancer sur la question des ressources propres. Dernier point, les ressources propres, elles ne génèrent pas que des recettes. C'est aussi de la justice fiscale et sociale. Et évidemment, on sait que le niveau européen, c'est le bon niveau pour répondre aux externalités négatives de certaines actions qui serait menée au niveau national de façon unilatérale. C'est aussi le bon niveau pour capter des recettes qui pourraient s'évaporer à cause de l'évasion dans un autre pays européen. Donc, c'est vraiment un outil de réforme du logiciel européen qu'on développe chaque jour depuis 2019. Donc, globalement, moi, je voudrais quand même vous dire ma fierté que la France contribue à hauteur de 25 milliards d'euros, parce que ce budget de l'Union européenne, c'est le fruit de nos ambitions et c'est... les moyens qu'on se donne pour assurer notre souveraineté. Merci. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à David Cormand. Oui. Voilà, merci. Pardonnez-moi. Voilà, il fallait que je rallume le micro. Bonjour tout le monde. Merci collègue, attendez, juste une seconde. On a une prise de parole dans la salle intempestive, donc je l'accorde. Merci, Monsieur le Président. Nous venons d'être mis en cause nominément. Alors, je n'ai pas de règlement intérieur. Je crois savoir qu'il s'applique malgré tout en commission. Véritablement, peut-être pourrait-on éviter, si on voulait éviter le débat, élever le débat, cesser d'avoir des attaques directement sur certaines formations politiques. Nous ne nous le permettons jamais. Madame Hayé, j'étais encore collègue avec elle il y a 3 mois en arrière. Je voudrais vous dire, madame, qu'il n'est pas agréable du tout de fustiger
de montrer du doigt certains partis. Je ne me permets pas de le faire avec vous. J'aurais été heureuse que vous ne le fassiez pas avec nous. Monsieur le Président, veuillez considérer, si vous le permettez, avec votre accord, l'incident comme clos. Oui, alors juste simplement, il n'y a pas eu de mise en cause personnelle. Il y a eu un propos politique qui a été défendu par une collègue qui a défendu un point de vue qui était le sien. Vous n'avez pas été mise en cause. Vous auriez pu tout à fait répondre dans la liste des orateurs de groupe, puisque ce sera vous juste après David Cormand. Voilà, je tiens à le signaler. Et à mes yeux, la collègue Valérie Ayer n'a pas tenu de propos vous mettant en cause personnellement, Madame Mélin. Voilà. La parole est à David Cormand. Merci, bonjour. Écoutez, merci de l'invitation. C'est bien de parler d'un sujet qui, bien qu'étant essentiel, n'attise pas les passions, généralement, et c'est de mon point de vue un problème. Valérie l'a dit, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est qu'on a un problème avec le budget européen, c'est qu'il est scandaleusement réduit. Valérie l'a dit, hein, c'est environ 1% des richesses produites au niveau européen. Pour vous donner un ordre de comparaison, alors, qui vaut ce qui vaut, parce qu'il n'y a évidemment pas les mêmes compétences, mais si vous regardez les États-Unis, le budget annuel des États-Unis, c'est entre 22 et 25% des richesses produites. Donc, ils ont d'autres compétences, hein, machin ou quoi, mais il faut bien comprendre que si on veut peser, surtout dans un moment géopolitique, économique, de crise systémique de notre modèle, l'Union européenne ne peut pas continuer de bricoler, puisque c'est ce que nous faisons en réalité, avec le budget qui est le nôtre. Deuxième élément, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que non seulement ce budget est réduit, mais 40% de ce budget est happé par la politique agricole commune. C'est une dépense évidemment utile, mais vous voyez que pour tout le reste, la stratégie de transition écologique, le développement économique, la solidarité, les politiques sociales, les aménagements, les investissements de structures, etc., etc., on est sur de l'argent de poche. Donc évidemment, le volume des milliards paraît énorme par rapport à la puissance économique qu'on est, la diversité du territoire que nous sommes, c'est compliqué. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, sur le débat de « oui, mais nous, on contribue, mais on veut que l'argent revienne ». Il y a toujours un truc qui m'étonne dans ce débat-là, c'est qu'à l'échelle de la France, j'ai entendu personne dire « les richesses produites en Île-de-France doivent uniquement bénéficier aux Parisiens et aux habitants d'Île-de-France ». Quand on parle à l'échelle de la France, ça nous paraît évident que depuis la Révolution française et les valeurs là, de répartir les richesses à l'échelle de l'ensemble des habitantes et des habitants du pays. Au niveau européen, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avoir une logique fédéraliste européenne, c'est considérer la nécessité de la solidarité européenne comme un des ferments de ce qui fait que nous sommes ensemble. Et donc, en dehors des arguments que donnait Valérie sur le fait que, bien entendu, qu'il y a un retour, si j'ose dire, sur investissement du fonctionnement de l'Union européenne, y compris pour la France, mais même en dehors de ça, il y a une logique, j'ai envie de dire, philosophique, politique, de solidarité, et c'est ce qui, de mon point de vue, doit définir l'identité européenne, bien plus que d'autres sujets. Sur l'affaire de comment on finance le budget de l'Union européenne. D'abord, ça a été dit par M. Holroyd tout à l'heure, dans l'histoire, ce n'est pas une grande partie du budget européen qui était autofinancée par des ressources propres, c'était 100% du budget de l'Union européenne qui était autofinancé par des ressources propres. Et ça a été très bien dit, hein, il y a une évolution au cours de l'histoire qui va dans le mauvais sens, c'est que les recettes qui permettaient d'autofinancer ce budget ont disparu. C'était les droits de douane, les droits de frontières, ça, non seulement du fait de l'intégration européenne, c'était dit, mais aussi de la multiplication des accords de libre-échange, etc. Et comme on fait parfois avec les collectivités locales, et d'ailleurs je trouve en général que c'est une très mauvaise idée, on dit bah, « vous avez perdu des recettes, mais on va les compenser par des dotations ». C'est le débat du rapporteur, mais en fait c'est ça, c'est des dotations des États au budget de l'Europe. Ça pose plusieurs problèmes. D'abord, vous connaissez l'expression « c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique ». Et donc, dans la mesure où c'est les États qui financent à 75% le budget de l'Union européenne, non seulement du fait des traités, ils ont plus qu'un droit de regard
sur le budget européen, mais c'est eux qui casquent. Donc, en fait, ils disent, bah, nous, on paye, donc c'est comme ça qu'on a des arguments voilà, particuliers de « I want my money back » ou etc. Et qui nous empêchent en partie d'avoir une vision globale à l'échelle du territoire européen pour avoir sa cohérence. L'autre problème qu'on a, et ça a été très bien dit, et là, je vais insister sur l'affaire des ressources propres, c'est qu'en réalité, du fait de la règle de l'unanimité, c'est-à-dire que pour créer une nouvelle recette propre, il faut, ça a été dit, que 100% des États qui composent l'Union européenne, qui sont présents au Conseil, disent « Ok, on est d'accord avec cette nouvelle ressource propre ». Et on n'y arrive pas. Pour des raisons d'orientation politique, c'est-à-dire qu'avoir en même temps 27 gouvernements qui disent « On est plutôt d'accord pour créer de nouveaux impôts », c'est compliqué. Et parce que certains États ont objectivement intérêt à ce qu'il n'y ait pas plus d'égalité fiscale, puisque nous avons des pays dans l'Union européenne qui sont des paradis fiscaux. Donc, quand on réfléchit par rapport, par exemple, sur une fiscalité minimum des grandes entreprises, vous avez l'Irlande, vous avez les Pays-Bas, vous avez le Luxembourg, vous avez Malte, qui, enfin, pour ne pas les nommer, qui lèvent la main, qui disent « ben non, nous, on n'est pas trop d'accord avec ça ». Pour ajouter quelque chose, j'espère que personne ne se sentira visé, qu'il n'y aura pas de droit de réponse, mais la France, de mon point de vue, dans cette séquence, n'a pas été exemplaire. Le ministre des Finances, des Économies et des Finances françaises, Bruno Le Maire, sur le taux minimum qu'il faudrait obtenir de fiscalité, n'a pas été, de mon point de vue, suffisamment moteur. Ça aurait peut-être pas suffi. Mais en fait, il y a un volontarisme sur l'égalité fiscale. Ensuite, il y a les nouvelles ressources dont parlait Valérie, où là, quand même, j'attire votre attention, et Valérie l'a dit, hein, sur l'insuffisance du volume. On a 750 milliards d'euros de plans de relance à rembourser. 750 milliards. Avec des taux d'intérêt qui augmentent et qui grèvent le budget ordinaire de l'Union européenne, puisqu'on n'a pas réussi à obtenir à ce qu'il y ait un découplage du remboursement de ce plan de relance du budget européen lui-même. Et donc là, on est en train de prendre des taquets sur le budget ordinaire de l'Union européenne parce que vous avez les taux du plan de relance qui augmentent. Et à côté de ça, les recettes qu'on crée pour le rembourser, censées pour le rembourser, sont insuffisantes. Quand on parle de la taxe carbone aux frontières CBAM, ce qui est un vrai bon truc, hein, c'est-à-dire que le principe, vous l'avez à l'esprit, c'est que les pays qui viennent bénéficier du marché européen, qui est le premier marché du monde, encore une fois, c'est qu'ils soient fiscalisés quand ils ne répondent pas à certains... Enfin, qu'on prenne en compte le coût carbone des productions qu'ils viennent vendre en Europe. C'est que 1-2 milliards de recettes par an. C'est peanuts. Enfin, on est sur des volumes où le budget annuel, grosso modo, l'Union, Valérie me corrigera, mais c'est 175 milliards. Le plan de relance en ligne, c'est 750 milliards à rembourser. 1 ou 2 milliards de taxes carbone aux frontières. Alors, on crée l'outil, c'est un précédent, mais aujourd'hui, il ne rapporte que dalle. L'autre carbone, taxe carbone, c'est le taxe carbone dans les frontières, l'ETS. Et là, j'attire votre attention, en tant que parlementaire français, c'est qu'on a une inquiétude, c'est que dans l'ETS, il y a plusieurs parties, je ne vais pas vous saouler, mais il y a un ETS 2, et dedans, il y a fiscalité carbone à l'intérieur des frontières, sur le logement et sur les déplacements, les transports. Ça ne vous rappelle rien? Ben, c'était ce qu'a provoqué la crise des Gilets jaunes. Donc là, moi, j'ai une vraie inquiétude, c'est qu'il y a un transfert de fiscalité carbone que les États ne souhaitent pas assumer sur l'Union européenne. Et ça, il faut éviter. D'abord, pour l'image de l'Union, et ensuite, on sait que c'est une fiscalité injuste. Et à côté de ça, on a une fiscalité qui rapporterait beaucoup, qui est la taxe sur les transactions financières, sur une assiette raisonnable. C'est 50 milliards d'euros par an. Donc, ayez les chiffres en tête. Hein. CBAM, 1 milliard par an. ETS, dont une part serait de la fiscalité injuste, autour de 8-10 milliards par an. Taxe sur les transactions financières. Donc là, c'est pas, on ne tape pas sur les pauvres, hein, on tape sur les gens qui spéculent, enfin, ceux qui font des transactions financières, quoi. 50 milliards d'euros par an. Et ça, on l'avait mis, on l'avait imposé avec Valérie et les collègues du Parlement européen dans le deal plan de relance, budget pluriannuel, ressources propres, état de droit, comme une potentialité.
Et je suis heureux d'avoir entendu Alexandre Holroyd en parler, mais au niveau de la commission, il le dispute. À chaque fois qu'il parle, moi je ne les ai pas entendus, j'espère que Valérie, elle les a entendus plus, mais publiquement, moi je n'entends plus parler de taxes sur les transactions financières. C'est une taxe qui est facile à lever, c'est une taxe qui est juste parce qu'elle ne s'abat pas sur les particuliers et c'est une taxe qui rapporte beaucoup d'argent. Si on ne fait pas ça, à la fin, comme le plan de relance, il est indexé sur le budget pluriannuel, soit il faudra quand même augmenter la dotation des États, avec ce que ça peut impliquer comme injustice, etc., etc., et comme résistance, soit il faudra réduire la voilure du budget ordinaire de l'Union. Et donc, en fait, ce qui avait été un plan de relance, le moment hamiltonien, etc., etc., peut se terminer en autre boudin. Donc, la question de la fiscalité juste, la question des ressources propres, elle est démocratiquement, politiquement, économiquement fondamentale. Fondamentale. Je veux finir là-dessus. Pourquoi il faut faire de la fiscalité au niveau européen? Parce que c'est à cette échelle-là qu'on peut viser les contribuables qui échappent à l'impôt et qui sont souvent les plus riches. Les fiscalités à l'échelle nationale, en réalité, c'est ce qui est en train de nous arriver, c'est qu'on peut taper, si j'ose dire, que les contribuables captifs. Ceux qui ont des grosses fortunes, ceux qui ont des multinationales, ceux qui savent s'organiser à faire de l'optimisation, ils échappent à la limite de la fiscalité à l'échelle d'une frontière. Si on fait cette fiscalité juste à l'échelle européenne, c'est beaucoup plus compliqué d'y échapper. C'est à l'échelle européenne à minima qu'on peut lutter contre les paradis fiscaux et faire la fiscalité entre guillemets des riches que j'évoquais. Et donc là, voilà, c'est l'enjeu politique, c'est le momentum particulier, enfin, spécifique qu'on a à l'échelle de l'Union européenne. Et vraiment pour conclure, parce que souvent on dit l'Union européenne, les mondialistes, à Bruxelles, etc., etc. Quand on a discuté avec Valérie Hayer, avec son collègue co-rapporteur qui est du PPE, hein, ce n'est pas un trotskiste, José Manuel, hein, il a d'autres qualités, mais enfin, il n'a pas celle-là. Quand on a discuté avec les socialistes, avec tout le monde, le Parlement européen, il a dit, il a voté, on veut un plan de relance de 2000 milliards, pas 750, 2000 milliards. Et comment on veut le financer? Avec notamment la taxe sur les transactions financières. Ça a été voté par 90% du Parlement, de la droite PPE jusqu'aux amis de Jean-Luc Mélenchon, avec tout ce qu'il y a entre les deux. Ça, c'est la majorité au niveau fédéral européen, au niveau du Parlement européen. Qu'est-ce qui a coincé? Les bons vieux États-nations. Et en l'occurrence, le bon vieil État-nation pour la France, bah c'est vous, chers parlementaires. Et donc, votre rôle, il est décisif pour peser, afin qu'au niveau du Conseil, la parole fédéraliste, progressiste, de fiscalité juste, soit portée et pèse. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour cet appel à l'ambition pour trouver des majorités larges à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez réussi à voter un budget allant des amis de Jean-Luc Mélenchon jusqu'au PPE. Je forme le vœu qu'on puisse essayer d'y arriver aujourd'hui. En tout cas, non, merci beaucoup pour cet éclairage. Et je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe. Je vous demanderai de vous limiter à 2 minutes, de sorte à ce qu'on puisse regagner la séance rapidement pour celles et ceux qui souhaitent y assister. Donc, je passe tout de suite la parole à Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord remercier nos deux collègues députés européens, Valérie Hayer et David Cormand, d'être présents parmi nous et de nous avoir fait un point bien actualisé des discussions, d'une part, en cours et puis, d'autre part, également, positions qui vont être défendues la semaine prochaine et dans les semaines à venir par le Parlement européen s'agissant du budget de l'Union pour l'année prochaine. Je voulais juste très très brièvement, parce que sinon nous sommes un peu contraints par le temps parlementaire ici, rappeler deux, trois vérités. La France, oui, est l'un des gros contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Ça a été fort précisément et fort excellemment développé par Alexandre Holroyd, mais en même temps, si je puis dire, la France est l'un des principaux bénéficiaires des dépenses européennes,
politique agricole commune, fonds européens FEDER, par exemple. Et notre collègue Valérie Ayer a eu raison également de pointer tous les bénéfices que notre pays, comme tous les autres pays de l'Union d'ailleurs, et c'est bien pour cela que nous sommes ardemment engagés dans la poursuite du projet européen, tire du fonctionnement du marché intérieur et de la libre circulation des marchandises et des capitaux au sein de ce grand marché intérieur qui est quand même l'une des forces majeures de notre Union européenne. Je remercie aussi nos collègues d'avoir mis le sujet des ressources propres sur la table et puis pour certains d'entre eux, commencer à décliner des préconisations, des recommandations. C'est un vrai beau sujet, assez ancien. Je rends hommage à quelqu'un que je connais bien, Alain Lamassoure, pour avoir souvent porté ce sujet des ressources propres de l'Union avec beaucoup, je dirais, de constance et d'opiniâtreté. Il y avait également eu le groupe de haut niveau présidé par Mario Monti qui avait fait des recommandations début janvier 2017. Moi, je veux simplement rappeler, Hugo, à tout cela, que les discours qu'on peut entendre de temps en temps, notamment ici au Palais Bourbon, sur le fait qu'il faudrait que la France diminue fortement sa contribution au budget de l'Union, voire la supprime, entre guillemets, sont des discours que je n'hésite pas à qualifier d'irresponsables. J'espère que nous aurons d'autres occasions de parler de ces sujets, mais je pense clairement qu'il nous faut être tout à fait lucides, d'une part, et ambitieux dans ce que fait notre pays. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Joël Mélin pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous connaissez nos positions. On va donc rester plutôt sur des fondamentaux. J'ai toujours été étonnée, quand j'étais à l'Europe, d'ouvrir les rapports. Et à la page 2, immanquablement, on nous expliquait que l'Europe ferait forcément mieux que les États-nations. Voilà, c'était un postulat, c'était à prendre ou à laisser. À partir de là, eh bien, s'enclenche toute une machine qui fait que nous en arrivons aujourd'hui à ce que les États membres soient tenus en dehors de tout choix de coopération internationale, de participer à des budgets. Donc ces budgets, ils sont, on les a définis tout à l'heure, maintenant de plus en plus conséquents, et qui font que, on l'a vu tout à l'heure, la France en moins de 5 ans a augmenté de 10 milliards sa contribution brute, bien évidemment, passant de 18 en 2017 à 28 en 2021, puis temporairement diminué en 2022 à 26,3 milliards, et actuellement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, programmé un 24,5 milliards pour être un total de contributeurs net de 10 milliards. Sauf que cette baisse temporaire n'est que temporaire puisque 30 milliards sont prévus en 2027 selon nos sources et cela n'est possible aussi que parce que l'Union européenne va, en plus de l'impôt, multiplier les ressources propres. Alors on en a beaucoup parlé de ces ressources propres. Et elle pose, et c'est là le cœur du débat selon nous, si l'Europe se permet de lever l'impôt, évidemment, dès lors, on est en droit de parler de souveraineté européenne. Or, selon nous, la souveraineté européenne n'est pas possible avec nos critères. La souveraineté nationale ne se partage pas. La coopération internationale se peut, mais en tout cas pas une forme de piège, entre guillemets, dans une souveraineté qui ne serait pas la nôtre. Et j'en veux pour preuve que les peuples européens, depuis maintenant un an, et même un peu plus, disent qu'ils ne veulent pas tout cela. Fort effectivement des crises énergétiques, de l'effondrement de l'euro à l'égard du dollar, les populations, les bons vieux États-nations, comme nous a dit M. Cormand tout à l'heure, eh bien ils se rebellent, ils reprennent leur voix, ils reprennent leur liberté. En conséquence, vous verrez bien, vous voyez bien où je veux en venir, j'ai une véritable interrogation pour savoir si, que ce soit au niveau national, puisque nous sommes en pleine discussion, et au niveau européen, enfin, nous allons tous entendre la même chose, à savoir que beaucoup de peuples européens ne veulent pas qu'on s'engage plus loin dans cette voie. Merci. La parole est à Madame Sabine Thillier pour le groupe démocrate. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à notre référent spécialiste des finances, Alexandre, qui fait cet exercice depuis quelques années, bien sûr, et à Valérie Ayer et David Cormand aussi pour leurs éclairages. C'est un vieux serpent de mer, en fait, cette histoire de prélèvement sur recettes de l'Union européenne. On discute très souvent un petit peu des mêmes choses et quelque part, depuis des années, on fait plutôt du sur place. Et par contre, on demande de plus en plus à l'Union européenne.
Et comme disait Alain Lamassoure, Constance Le Grip l'a évoqué tout à l'heure, l'Union européenne, c'est un colosse sur pied d'argile, parce qu'en réalité, il n'y a pas les financements qui correspondent à ce que l'Union européenne devrait faire. Bien sûr, on peut avoir la discussion, et c'était le projet de la conférence sur l'avenir de l'Europe, de dire qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, qu'est-ce que peut-être éventuellement peuvent faire mieux les États nationaux. Ça, il n'y a aucun problème d'en discuter. Mais une fois qu'on a décidé de ce qu'on veut faire ensemble, il faut quand même mettre les moyens en face. Et ça, on n'a jusqu'à maintenant jamais décidé véritablement de le faire. Par rapport aux défis qu'on a, quand on voit que 7,7 milliards d'euros qui sont aussi venus en aide à l'Ukraine, par contre, pas payé directement par le budget européen, mais par la facilité européenne de la paix. Donc, c'est quand même, on a besoin d'une flexibilité, une réactivité aussi en temps de crise pour pouvoir faire face. Donc, on ne peut pas se permettre quelque part des comptes d'apothicaire. Et ça, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui à nous. Et là, je viens aussi à notre fonction de contrôle. Je trouve peut-être que ça serait bien aussi ici à notre commission des affaires européennes d'entendre nos ministres par ressort aussi sur ceux qui défendent beaucoup plus au Conseil. Parce que là, je rebondis sur ce que disait David Cormon. On a besoin peut-être aussi plus d'informations. Et comme je le disais pendant des années aussi, ça serait bien d'avoir des débats en séance sur les grands, avant les grands conseils. Je m'arrête là parce que le temps court, mais en tout cas, le groupe démocrate soutient sans aucun problème ce budget, ce prélèvement et l'article 25. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Alexandre, et puis les collègues députés européens de leur intervention et le suivi de ce sujet. Je voulais juste rapidement peut-être revenir sur deux, trois éléments. D'abord, face à la faiblesse donc, de la participation des ressources propres que nous recherchons finalement au niveau de l'Union européenne, avec une baisse aussi relative des droits de douane qui étaient affectés au budget de l'Union européenne, et puis ce qui a été évoqué tout à l'heure, la difficile et toujours en attente taxation sur les transactions financières, nous sommes bien sûr devant une difficulté qui est celle de moins de ressources propres finalement recherchées depuis très longtemps. Alors moi je voulais effectivement revenir un petit peu sur le sujet. Il y a la question de la fiscalité comme le collègue député européen David Cormard l'a rappelé sur la question de la fiscalité au niveau européen. La question qui se pose parallèlement, et je n'attends pas forcément la réponse aujourd'hui, c'est quid de l'unanimité, puisque si les États ne sont pas d'accord, effectivement, nous sommes toujours bloqués, David, donc il faut quand même peut-être trouver autre solution. Moi, je pense aussi qu'il y a d'autres possibilités de fiscalité au niveau national et je plaide pour un ISF modernisé et qui touche certaines catégories des très, très riches, entre 20 millions et 10 milliards déjà. Donc, je pense qu'on peut finalement avancer sur cette voie. Mais revenir un petit peu sur ce qui nous réunit aujourd'hui, moi, je voulais juste rappeler peut-être quelques points de vigilance. Un des points de vigilance, j'attire l'attention d'Alexandre sur la question qui revient aux États qui, comme la Hongrie, sont suspectés de corruption et de détournement de fonds publics. Donc l'exemple, le plan de relance national de Hongrie n'a pas été encore validé par la Commission européenne et donc les fonds restent toujours bloqués. Donc voilà, ce serait important aussi de le préciser, de le rappeler aussi dans l'examen de ce texte. Rappeler aussi que la France, bien sûr, est parmi les premiers contributeurs au rabais, alors qu'elle bénéficie d'aucun. Donc ça, c'est un élément aussi, finalement, est-ce que quid de la révision à mi-parcours? C'était courant octobre, mais je n'ai pas vu de nouvelles là-dessus. Et puis, le dernier aspect qui touche quand même l'actualité, je termine là, Monsieur le Président, sur la question de l'Ukraine, puisqu'il y a des mesures en faveur de l'Ukraine, certaines ne sont pas budgétées encore et n'entrent pas sur le budget européen, donc certaines ne sont pas non plus prises en compte dans ce budget, mais aussi de la lettre rectificative pour intégrer de nouvelles justement dépenses au budget de l'Union européenne. Voilà quelques vigilances sur lesquelles nous attendons des réponses, mais en tout cas, ça fait partie un petit peu des sujets que nous examinons depuis très longtemps sur cet aspect du budget européen.
Merci. La parole est à Christophe Plassard pour le groupe Horizon et la Parenté. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers députés européens, chers collègues, le débat relatif au prélèvement sur les recettes au profit de l'Union européenne nous permet chaque année de revenir sur l'ensemble des actions de l'Union européenne, de constater la grande diversité des initiatives, notamment en faveur de l'économie, de l'innovation, de l'environnement ou de la défense au niveau du continent. La position du Conseil de l'Union sur le budget 2023 a été arrêtée le 12 juillet avec des baisses significatives par rapport au budget prévisionnel de la Commission. En réponse, la Commission budget du Parlement européen a indiqué hier que le budget de l'Union européenne devait être plus ambitieux, notamment sur des enveloppes allouées au programme Horizon Europe, le bien nommé, plus 311 millions d'euros par rapport au budget prévisionnel de la Commission, ou encore du programme LIFE pour l'environnement avec plus 60 millions d'euros. Ceci nous suscite deux interrogations. La première, le calcul du PSR UE est finalement assez dépendant des négociations budgétaires qui ont lieu en même temps qu'entre le Parlement et le Conseil. Quelles sont les perspectives que l'on peut avoir sur ce sujet? La seconde concerne l'instrument Next Generation EU, pour reprendre l'appellation. Pour ce plan de relance, le PSR n'est pas mobilisé. Le remboursement des prêts contractés se fera avec différentes propositions, notamment ressources de marché, de quotas d'émissions, à l'introduction de mécanismes d'ajustement carbone, etc. Toutefois, est-il possible que les États membres portent le poids de cette dette si les ressources s'avéraient insuffisantes pour y faire face? Merci. Merci beaucoup. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je dirais que le budget européen, certes, est réduit. Certes, la question de l'augmenter peut être un sujet, mais ça pose le problème de la souveraineté de chaque État à prélever l'impôt. Et je dirais que vaste programme aurait pu dire le général de Gaulle. En dehors du budget reste l'utilisation des fonds, ou plutôt les politiques mises en œuvre, qui en réduisent, voire anéantissent la portée. Et je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de la PAC. On sait déjà que les choix qui ont été faits seront sans aucun doute insuffisants pour accompagner le virage écologique des agricultures européennes. Ça s'accompagne de plans stratégiques nationaux qui, à mon avis, remettent en cause la cohésion de nos territoires et peuvent arriver à faire des distorsions de concurrence. Et enfin, comment peut-on avoir une politique agricole commune qui donne des résultats avec les accords de libre-échange, dont on ne parle pas? Je pourrais citer l'accord commercial entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui a été conclu, madame et monsieur les députés européens, le 30 juin dernier, et qui ne sera pas soumis aux parlements nationaux, avec les questions qu'on peut se poser sur le respect des clauses miroirs dans le domaine sanitaire, environnement, social, sur le fait que ça intensifie les échanges et qu'on aura par exemple de la viande d'agneau trempée dans de l'azote liquide qui mettra 12 semaines pour arriver par bateau avec une distance de 22 000 km et qui arrivera sur nos assiettes trois fois moins cher que nos productions régionales. Est-ce que c'est, pour reprendre une expression qui a été employée, influer dans le bon sens sur le devenir de la planète? Le deuxième exemple que je voudrais prendre, il y a bien sûr aussi, j'aurais pu parler de libre-échange Mexique-Union européenne, je n'ai pas regardé le temps qui me reste, c'est terminé, je pourrais prendre l'exemple du traité sur la charte de l'énergie promu par l'Union européenne, qui est un danger pour l'écologie, qu'il faut remiser au placard de l'histoire et qui permettra aux grands géants de l'énergie, c'est d'ailleurs sans être un géant, c'est le cas d'une entreprise allemande du photovoltaïque aujourd'hui qui refuse l'évolution des prix décidée par la France, tous les abus seront permis et je pense que ce type de traité ne va pas dans le bon sens. Voilà des exemples, d'une part l'affichage et d'autre part la mise en œuvre de politiques qui auront des conséquences désastreuses. Merci, Président. La parole est à Madame Sandra Rogol pour le groupe des écologistes. Bonjour. Tout d'abord, toutes mes excuses pour ce retard, mais puisqu'on est sur les finances, j'étais sur celle des collectivités locales avec l'Association des maires de France. Et bien qu'on ait remporté certaines victoires pour les maires hier, il en reste encore d'autres à avoir demain, aujourd'hui et demain. David Cormand a bien rappelé les choses sur la nécessité d'avoir des ressources propres. Oui, la France doit prendre sa part à cette Europe, mais elle doit aussi être en capacité d'avancer par elle-même. Être en capacité parce que la transition écologique nécessite des fonds.
on a un petit début, juste un petit début. Parce que la relance, les emplois d'avenir doivent aussi passer par l'impulsion européenne. On l'a vu encore dernièrement, il a fallu attendre le discours sur l'état de l'Union de Madame von der Leyen pour avoir un merci aux écologistes d'avoir annoncé avant tous les autres les crises qui étaient à venir. On attend toujours la même chose en France. Et donc la taxe sur les transactions financières, vieux serpent de mer, est un de ces moyens facilement activables et qui ne l'est toujours pas. Ça, c'est un choix politique. À nous de le faire avancer. À vous, plutôt, de le faire avancer. Pour le coup, les écologistes, les partis qui font partie de la coalition de la NUPES sont assez clairs sur ce point. Ils veulent qu'il y ait des moyens pour faire avancer les dossiers. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont à l'étude ici, mais qui sont poussés par l'Europe, comme la taxe sur les super-profits, particulièrement ceux pendant la crise, encore des ressources, qui pourraient abonder et donner les moyens de faire vivre et incarner une Europe à travers les régions, à travers nos villes, une Europe qui souffre de ne pas être assez incarnée et dont on voit à chaque élection européenne le taux d'abstention continuer à rester très fort. Cette Europe qui est un projet collectif, un projet d'émancipation, un projet de paix et un projet protecteur qu'on aimerait avoir plus les moyens de mettre en avant. Donc oui, une Europe des États qui s'oppose à une Europe des populations. C'est de plus en plus un frein qu'il nous convient aussi de faire avancer. Et on voit aussi une fracture politique avec l'extrême droite qui toujours, et avec une partie de la droite, refuse d'avancer sur ce projet européen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une dernière demande de prise de parole, c'est Denis Masseglia. Vous le comprenez ça. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister parce que j'entends des choses qui me mettent hors de moi. Et c'est un petit coup de gueule. J'entends parler d'État-nation contre l'Europe. Mais on n'est pas opposés l'un à l'autre. Il faut une Europe forte et une France forte. L'un est lié avec l'autre. Lorsqu'il y a eu le plan de relance, lorsqu'il y a eu le Covid, sans l'Europe, on n'aurait pas pu avoir des vaccins. Je regarde la députée Valérie. Je vois derrière elle, si je ne me trompe pas, et Valérie, si je dis bêtise, tu me coupes, le drapeau de l'Union européenne, qui est donc l'échelle européenne, et la ville de Laval, si je ne me trompe pas. Ça montre bien, justement, cette dualité qu'il y a, ou cette nécessité des deux côtés. L'Europe, la France, nos territoires. Le plan de relance, dans ma circonscription, c'est une entreprise de 50 personnes qui reçoit 400 000 euros pour robotiser sa production, sinon elle perdait des marchés. C'est ça, l'Europe. Donc, j'en ai marre, excusez-moi, et c'est mon coup de gueule, de « I want my money back ». Il faut qu'on sorte, et je le dis fort, de cette dotation, cette contribution française, où tout le monde dit « je veux mon retour, je veux mon retour, je veux mon retour », on oublie tout ce que l'Europe apporte pour nos territoires. Donc, vous aurez tout mon soutien, je pense que vous avez tout le soutien de Renaissance et de la majorité présidentielle pour qu'on ait de plus en plus des budgets européens, pour qu'on sorte de ces populistes en carton qui pensent que argent, qui voient qu'argent et qui n'ont pas de vision globale. Le combat aujourd'hui n'est pas contre la France et l'Allemagne, le combat aujourd'hui c'est contre la Chine, c'est contre les États-Unis, c'est pour notre intérêt européen, c'est pour la France. Voilà mon coup de gueule, désolé, je m'étais agacé un peu aujourd'hui. Merci beaucoup, je cède tout de suite la parole à Alexandre Leroyd. Merci beaucoup, chers collègues, et merci particulièrement à Valérie et David pour leurs interventions et leurs éclairages depuis Bruxelles ou Strasbourg. J'ai beaucoup de réflexions portées au débat, donc je vais essayer de les parcourir rapidement, même s'il y en a qui recoupent du débat national plutôt que du débat européen, mais je vais essayer de les parcourir. Bon, Valérie a, à mon avis, très très bien présenté les sujets, je souscris entièrement à ce qu'elle a dit. C'est un processus long, les ressources propres, c'est un processus difficile, on y reviendra en parlant de l'unanimité un peu, mais c'est un processus qui avance peu à peu et les progrès de la Commission en la matière en témoignent. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé à son terme, ça ne veut pas dire que la pente est rude, comme dirait l'autre, mais on va continuer à essayer de grimper et on va continuer à essayer de pousser ces choses-là. Sur les réflexions de David. Une première réflexion sur la réflexion qu'il a faite sur comparaison qu'il a fait avec les collectivités territoriales qui me paraissent omettre un élément, mais là c'est plutôt du débat national, c'est que il y a aussi une question de qui a la gestion du taux, ce qui en l'occurrence dans le débat national n'est pas le cas, en tout cas pas des textes que nous examinons en ce moment. Sur le taux minimum, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son analyse. En l'occurrence, moi, j'ai accompagné le président de la République quand on est allé en Irlande pour négocier avec les Irlandais pied à pied l'accord de l'OCDE étant un des derniers pays qui résistait
à cette demande au sein de l'Union européenne avec la Hongrie. La France a, depuis 2017, été en pointe de ce sujet. Et le fait qu'on soit arrivé à un accord de l'OCDE qui était entériné aujourd'hui par la Commission européenne et par le Conseil européen est le symbole d'un engagement permanent de la France, à la fois pour trouver une recette fiscale, mais, et c'est là un point que je vais décliner sur les trois réflexions des trois ressources propres principales qu'il a mentionné, puisqu'il y a deux éléments de la fiscalité. Il y a un, les recettes qui en sortent, et deux, l'effet que ça a. Sur l'IS et le taux minimum sur les deux, il y a une recette supplémentaire. Il y a une question très importante que Valérie et David ont évoquée, qui est une question de justice fiscale, parce qu'on est dans un monde où il est vrai que les assiettes peuvent s'évanouir sur certains impôts et sur certains acteurs, et que l'échelle européenne est la bonne. Donc quand on parle de taux minimum d'IS, il répond à ces deux enjeux, à la fois évidemment de lever de l'argent pour pouvoir conduire à bien des politiques publiques ambitieuses, en même temps de rééquilibrer la justice fiscale pour que les grands acteurs et les petits acteurs soient soumis à des conditions équivalentes. En déclinant ça sur les éléments que David a portés au débat sur le TS, qui sont à mon avis très justes en matière de risque, il y a évidemment les recettes de l'ETS et du mécanisme carbone aux frontières. Il y a également l'impact, la raison pour laquelle au début ces mécanismes ont été envisagés, qui est tout de même de réduire et de créer une incitation à la réduction des émissions de carbone. Et c'est pour ça que cette recette est également importante. Sur la TTF, le sujet est un petit peu plus délicat puisque l'assiette peut être très différente. La réalité, c'est qu'on parle de TTF, mais il y a beaucoup de TTF différentes, certaines qui sont en pratique très faisables, certaines qui sont en pratique très infaisables en raison de la capacité de délocalisation de l'assiette de façon extrêmement rapide et efficace, notamment par exemple sur des transactions parfaitement automatisées. En ce cas, qu'elles passent par un ordinateur à New York, à Bruxelles ou à Paris, vous pouvez faire changer la donne en une seconde. Donc la TTF, la France la porte depuis le début à niveau européen parce qu'à niveau national, cela ne fonctionne pas bien. Et si on veut une version ambitieuse, et c'est ce que David a dit, il faut que ça soit fait à niveau européen. Et alors, il faut bien réfléchir pour s'assurer que les transactions financières que l'on taxe sont des transactions financières dont le coût de la taxe ne va pas être passé aux consommateurs. Donc il y a une dimension supplémentaire à ce projet sur la question. Je n'ai pas regardé en détail la proposition de 50 milliards, donc je ne sais pas quelle version de la TTF est ici proposée. Sur le moment hamiltonien, je ne suis pas aussi péjoratif que David, ou en tout cas négatif, je pense qu'il a eu lieu dans une certaine mesure. Alors pour rappel, le moment hamiltonien, c'était l'idée un peu comparative de la mutualisation des 13 États de la dette aux États-Unis, avait été le premier symbole vers la construction des États-Unis. Certains ont dit que le moment de la crise Covid était un miroir historique de celui-là à cause de l'endettement commun. Trois raisons pour. Le premier, c'est que la contraction d'une dette commune à horizon 2058 engage les États membres pendant 30 ans à avoir une politique économique commune. Le deuxième, c'est que c'est entériné dans la construction de ce plan européen de la subvention et non pas que du prêt à très grande échelle, ce qui est une dimension différente fondamentale par rapport au plan de soutien qui avait été développé au préalable. Le troisième, parce que c'est conjugué avec ce plan européen une adaptation des politiques de la BCE, notamment des politiques de rachat de la BCE, avec une modulation selon les besoins des pays en matière de financement, qui est un pas immense, à nouveau, vers plus d'intégration économique européenne. Donc le moment hamiltonien, dans une certaine mesure, a eu lieu, c'était un moment historique. Est-ce qu'il est final? Est-ce que c'est la fin d'un chemin? À nouveau, non, c'est le début d'un engagement, mais c'est un engagement très considérable que les Européens ont pris ensemble. Sur les arguments qui ont été portés par Madame Mélin, qui malheureusement nous a quittés, mais je tiens à lui répondre parce qu'il me paraît important d'évoquer certains trucs. La contribution nette, d'ailleurs, c'est la chose la plus absurde. L'argument de la contribution nette, c'est la chose la plus absurde que j'ai entendue de ma vie. Moi, j'inscris ma fille qui apprend à nager à une piscine. Je paye une contribution nette et je la paye nette. En retour, j'ai accès à la piscine. Ma fille a accès à la piscine pour être tout à fait précis. Toutes les contributions de la France à une organisation internationale sont des contributions où on perd de l'argent. Quand on contribue au budget des Nations Unies, on perd de l'argent. Au budget de l'OCDE, on perd de l'argent. Au budget de l'OSCE, on perd de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on gagne plus par notre contribution à un ensemble qu'on en met en argent liquide. Et l'UE, dans une mesure bien plus large, est un sujet évident. C'est ce que Valérie a rappelé en rappelant les bénéfices que nous amène la participation au marché unique contre les coûts de fonctionnement de ce marché unique. Il serait parfaitement absurde
de contribuer à un budget où on considère évidemment que nous n'avons aucun bénéfice associé. Sinon, quelle est l'utilité de la construction institutionnelle en soi ? On contribue à une institution parce qu'on pense qu'elle a un bénéfice induit, sinon on ne la construit pas, sinon on reste dans son coin. Donc cet argument-là est parfaitement absurde. Sur l'UE fait forcément mieux que les États-nations, là ça me paraît un peu compliqué d'y dire, puisqu'il y a un principe fondamental de l'UE qui est le principe de subsidiarité, qui garantit justement que ce n'est pas le cas. Beaucoup d'argent dont nous parlons à niveau européen est utilisé à niveau national. Je rappelle tout de même que la déclinaison du plan de relance européen a été votée dans le budget national, dans la mission de plan de relance, par les députés nationaux. Donc le financement retraverse, entre guillemets, par les parlements nationaux. Sur l'augmentation en 2027 de l'emprunt européen, à nouveau l'argument de Mme Melun. Pourquoi est-ce qu'on emprunte en commun ? Parce qu'on emprunte moins cher. Parce que c'est plus efficace d'emprunter moins cher en commun. Parce qu'on emprunte sur les marchés financiers moins cher à 27 que l'on emprunte seul. Et que ce différentiel est particulièrement important pour les pays qui ont des finances publiques dégradées. Et malheureusement, on a eu le débat longuement en séance hier, c'est le cas de la France. Lever l'impôt et la solidarité européenne, je pense qu'on on a évoqué la question. Ce budget européen était à l'origine financé par de la taxe, par des droits de douane. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'il est assuré par un prélèvement sur recettes est une anomalie par rapport à sa construction originelle qui était par l'impôt. Et j'ajoute tout de même que cette faculté de lever l'impôt est un protégée par l'unanimité contre laquelle je suis, mais j'y reviendrai, et deux, n'engage absolument pas les États européens ad vitam aeternam. Moi, je suis élu d'une circonscription, l'Europe du Nord, des Français qui habitent en Europe du Nord, où un pays a décidé de sortir de l'Union européenne. Il a le droit, il y a un article 50 du traité qui lui permet de le faire. N'importe quel État le peut faire. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a aucun État qui veut le faire, y compris les États qui sont dirigés par des amis de Mme Mélin. Je remarque d'ailleurs qu'en Italie, le nouveau gouvernement ou le futur nouveau gouvernement, que Viktor Orban, en Hongrie, ne rejette pas les fonds européens. Donc visiblement, l'idéologie a ses limites quand elles sont sonnantes et trébuchantes. Sur Sabine Tillet et son point, à mon avis, très important sur l'évaluation démocratique dans notre pays en France. Là, je pense que nous devons nous regarder dans le miroir et admettre que nous avons une déficience démocratique qui est liée à la constitution de la Ve République. C'est que dans tous les autres pays, il est vrai que le pouvoir législatif a un contrôle très exigeant de ce que ses ministres, de ce que son exécutif négocie quand il va à Bruxelles. En Allemagne, au Bundestag, mais la réalité dans presque tous les parlements européens. On a une particularité, et je suis sûr que sous l'autorité du président de la Commission, celle-ci va être corrigée très rapidement, c'est qu'il est vrai qu'il y a peu de contrôle parlementaire avant l'engagement de négociations européennes du gouvernement, et que l'Assemblée nationale est moins informée que nos homologues allemands, italiens, espagnols, portugais, estoniens, danois, suédois, sur ce que le gouvernement s'engage à faire dans des négociations à Bruxelles, qui revient ensuite au Parlement beaucoup plus tard, suite à commission, Parlement, trilogue et éventuellement inscription dans le droit national. Sur les éléments de Marietta Caramelli, l'unanimité, je suis parfaitement d'accord, c'est un sujet qu'on porte depuis le début de ce mandat. Il n'en reste que c'est le serpent qui se mord la queue, puisqu'il faut l'unanimité pour enlever l'unanimité. Donc on est toujours dans un équilibre qui est difficile, mais je pense qu'il faut qu'on continue à pousser ce sujet. Ce sont des sujets qui évoluent, soyons honnêtes, dans l'histoire européenne, souvent de crise en crise. En tout cas, je pense que c'est un sujet qui, sur certains éléments, gagne du terrain. L'accord, d'ailleurs, sur l'IS de l'OCDE est dans un dispositif différent et dans un contexte institutionnel différent. Mais il faut noter quand même que c'est un dispositif qui avance sur une prérogative qui, de facto, est à l'unanimité, puisque c'est dans de l'intergouvernemental et non dans du gouvernemental. Sur l'ISF modernisé, alors je m'y oppose, mais je ne vais pas refaire le débat des 5 dernières lois de finances qu'on a eues, parce que je pense qu'on va en avoir assez dans les jours et les nuits qui suivent. Sur la Hongrie et l'État de droit, vous avez raison, je ne l'ai pas évoqué dans mon intervention, c'est un point essentiel. L'Europe, c'est avant tout une communauté de valeurs, c'est pour ça qu'on met ensemble des moyens pour développer et pour protéger un modèle auquel on croit, un modèle qui est basé sur la solidarité, sur le respect de l'individu, sur l'État de droit, et il est absolument essentiel que tous ces outils soient mis à disposition pour s'assurer que ces États constituantes en respectent les principes. Sur le CFP, les deux questions de CFP que vous posiez sur le cadre financier pluriannuel, qui est à la fois la question des rabais et la question très difficile, mais à mon avis essentielle, de la flexibilité à créer à l'intérieur d'un cadre financier de 7 ans,
sachant qu'en 7 ans, beaucoup de choses changent. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce sont deux points de progrès où nous n'avons pas réussi à progresser avant assez dans le dernier CFP et qu'il faut impérativement faire progresser dans le prochain CFP. Sur les deux questions de Christophe portant sur Horizon Europe, programme essentiel. D'ailleurs, je remarque dans ma circonscription, les universités britanniques regrettent amèrement leur participation à l'Union européenne parce que la sortie d'Horizon Europe est extrêmement douloureuse. Sur les modalités de prédiction du PSRUE, c'est un équilibre entre les prévisions des budgets européens nationaux, des contributions nationales européennes, moins évidemment les restes à charge de l'année précédente, et en prenant en compte éventuellement des différences législatives qui ont eu lieu dans l'année en cours. S'il y a des nouvelles ressources propres, par exemple, ça change les équilibres. C'est comme ça que le PSRE est calculé. Sur Next Generation EU, est-ce que les États membres peuvent financer si jamais il n'y a pas de ressources propres? Il faut être très clair, on s'est endetté en commun, on va devoir rembourser en commun. Il y a des gens qui nous ont prêté de l'argent, alors en l'occurrence une partie c'était la Banque Centrale Européenne. Moi je ne crois absolument pas à cette idée farfelue comme quoi on ne doit pas rembourser ses dettes un jour ou l'autre. Les États membres devront faire face à aux dettes qu'ils ont contractées. C'est pour ça que les ressources propres sont particulièrement essentielles. Si nous ne nous accordons pas de ressources propres, les contributions nationales augmenteront de façon très importante pour rembourser l'emprunt que nous avons contracté en commun et que nous avons dépensé en commun, puisque nous avons dépensé une grosse partie de cet emprunt commun. Sur le président Chassaigne, que je suis ravi de retrouver dans ce cadre. Alors, sur l'impôt sur la souveraineté, je vous renvoie à ma question précédente. On finançait par les droits de douane. Ça ne posait aucun problème dans les années 70 et 80. Donc, la réalité, c'est que cette modalité de financement de l'Union européenne a un sens absolu. D'autant plus que, moi, je pense que ce qui est intéressant aussi dans les ressources propres, c'est quand même une idée de gestion de finances publiques, c'est que la personne qui reçoit de la recette est une responsabilité dans la source de la recette. Si l'économie va moins bien, elle reçoit un peu moins d'argent. Si l'économie va mieux, elle reçoit un peu plus d'argent. Si la politique commerciale va mieux, elle en reçoit, etc., etc. C'est un principe de responsabilité budgétaire essentiel que, pour le coup, on est en train de passer à l'Union européenne si jamais il y a une ressource propre. Mais il n'empêche qu'à nouveau, les États membres seront toujours libres de sortir de l'Union européenne s'ils le veulent. Je constate juste que personne ne veut en sortir pour l'instant, y compris ceux qui sont les plus critiques. Je note une certaine contradiction dans vos deux interventions, si je puis me permettre, entre la nécessité de renforcer la PAC et de dépenser plus d'argent dans la PAC pour assurer la transition de notre secteur agricole, et en même temps la critique des ressources de l'Union européenne. Si on veut plus de PAC, plus de solidarité européenne, plus d'aide pour la transformation, il faut accepter qu'on doit aussi contribuer de façon significative au budget. J'ai du mal à comprendre. Mais ces deux choses-là vont de pair. C'est d'ailleurs le cœur d'un petit. Si on veut plus de politique européenne ambitieuse, il faut admettre qu'il y a il y a évidemment du financement qui doit être indexé. Sur l'intervention de Sandra Hegol, alors, je suis content que vous ayez vu l'Association des maires de France. Je vous conseille fortement de voir l'Association des départements de France aussi sur les débats qui s'ouvrent, mais à nouveau, on repart dans le débat national. Sur la TTF à niveau, national, je vous renvoie à la réponse que David de Cormont a faite, qui est la meilleure réponse que je peux vous faire. La TTF se penche en particulier sur des activités internationales. La meilleure échelle pour la mettre en place, c'est clairement un niveau européen. C'est votre collègue David qui l'a dit. Je souscris pleinement à cette vision. C'est la vision à laquelle on souscrit au niveau du gouvernement. Non, vous avez dit qu'on devrait commencer par la mettre au niveau national. En l'occurrence, moi, je pense que c'est une mauvaise idée parce que c'est une base fiscale qui s'est évanescente. Ou j'ai mal compris, auquel cas je m'excuse d'avoir mal compris, mais si c'était le sens de l'intervention, il est très clair que cet ETF doit être poussé à niveau européen puisqu'à niveau national, l'assiette s'amoindrirait extrêmement rapidement. On peut le regretter, je regrette d'ailleurs, hein, mais c'est une réalité du secteur qu'on essaye de taxer, qui est par excellence le secteur mondialisé. Je crois, Monsieur le Président, que j'ai fait le tour des différentes réflexions. Si j'en ai oublié, surtout, rappelez-moi à l'ordre. Mais sur ce, je vous rends la parole. Je n'aurai pas d'excès d'autoritarisme avec vous, Monsieur le référent, parce que vous avez fait un bon travail. Je crois que vous avez répondu de façon complète à toutes les interrogations qui pouvaient exister. Je propose à nos collègues députés européens d'ajouter un mot bref s'ils le souhaitent, parce que
pour vous révéler l'envers du décor, la plupart des députés ont quitté la commission pour se rendre en hémicycle. Et donc, vous auriez à vous exprimer devant un président et quelques parlementaires de qualité, certes, mais devant peu de monde. Donc, je vous propose un propos bref, comme ça, pour clore la discussion. Et à peu près que l'opposition. Et à peu près que l'opposition, effectivement. David et puis Valérie, pour inverser. Bon, ben merci d'être resté jusque-là, et merci donc aux élus de l'opposition, mais j'ai cru comprendre, moi je ne m'occupe pas trop des affaires françaises, mais qu'ils étaient plus nombreux que d'habitude dans cette mandature, les députés de l'opposition par rapport à ceux de la majorité. Donc il y a un avantage, il y a plus de monde. Voilà. Non, je n'ai pas envie de revenir voilà, sur l'échange qu'on a eu, merci encore de nous avoir donné l'occasion de le faire. Un petit point d'alerte par rapport au budget 2023 qui est un peu en décalage par rapport à ce que je dis, mais comme c'est l'histoire de Strasbourg. Il faut que vous ayez à l'esprit qu'on a pas mal de collègues au Parlement européen qui sont pas toujours d'une très grande bienveillance avec le Parlement de Strasbourg. Et on a, si parmi les élus de l'opposition qui sont toujours là, il y a le groupe socialiste, je vais leur adresser une petite dédicace parce qu'il y a le groupe socialiste au Parlement européen qui présente un amendement dans le débat du budget 2023 pour s'opposer à l'achat d'un bâtiment à Strasbourg par le Parlement dont nous avons besoin pour pouvoir faire correctement notre travail quand nous siégeons à Strasbourg. Donc, pardon, hein, c'est un petit aspect de cuisine, mais derrière les aspects de cuisine, il y a parfois des questions sérieuses. Et c'est un sujet sur lequel la France doit être vigilante. Je sais que c'est le cas du gouvernement. J'ai eu la ministre par SMS, comme on a tous et toutes dû l'avoir, tous qui siégeons à la commission Budge, voilà. Donc je voulais insister sur ce point. Et un deuxième petit sujet, parce que là on a parlé des recettes, il faut aussi surveiller la manière dont on dépense l'argent. Il y a eu un rapport de la Cour européenne des comptes sur le non-respect des pourcentages de dépenses qui étaient censés être dédiés au climat et à la biodiversité pendant le budget pluriannuel précédent, celui qui s'est achevé en 2020. Et ça, il faut faire attention parce qu'on devait faire 20% de dépenses à l'époque climat et la Cour des comptes a vérifié, a regardé les dépenses, les lignes budgétaires, comment elles ont été dépensées. On n'y était pas du tout puisqu'on n'était qu'à 13%, notamment à cause de dépenses de la PAC qui sont fléchées comme étant censées être écolo et qui, quelle surprise, ne le sont pas. Donc ça aussi, c'est un enjeu, c'est qui paye. Ça, c'est la question des ressources propres. Mais il y a aussi la question de pourquoi faire, ou même quand on décide et on se met d'accord sur certains types de dépenses, il faut surveiller que c'est bien dépensé dans ce sens-là. Donc, merci encore pour ces échanges. Puis n'hésitez pas, nous, on est toujours ravis de débattre, de discuter même avec vous. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Valérie Haye. Je prends le relais, merci. Et d'ailleurs, je réagis sur ce que vient de dire David sur l'objectif de 20% sur de dépenses vertes, entre guillemets, sur le précédent CFP, cap financier pluriannuel. Je me souviens, ça a été notre première bataille quand on est arrivé pour la négociation budgétaire annuelle, donc fin 2019 pour le budget 2020. On était à 19,67% de dépenses climat dans les projections. Et donc, on s'est battu. C'est la première fois qu'au Parlement européen, on arrivait avec une priorité assumée pour atteindre les 20%. Et malheureusement, effectivement, c'était intéressant d'avoir cette audit qui est arrivé il y a quelques jours pour démontrer que le compte n'y est pas et qu'on a encore beaucoup d'efforts collectivement à faire. Très rapidement, merci pour cet échange. Toujours intéressant aussi de prendre le pouls aussi de ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Quelques éléments très rapides sur la taxe sur les transactions financières. On en a beaucoup parlé. Moi, j'y crois. J'espère que la Commission y croit encore, mais effectivement, David, je te rejoins. On sent qu'ils essaient de travailler peut-être sur d'autres pistes parce qu'ils voient que c'est extrêmement difficile. Tu as parlé de 50 milliards de recettes tout à l'heure. Tout à l'heure. Les recettes, en vrai, on les estime à 50, entre 50 et 70 milliards, mais ça, c'était en 2011, quand la proposition avait fait sa commission. Depuis, la Commission avait fait sa proposition. Depuis, on est dans une situation où, depuis 2011, on a 10 États membres qui travaillent en coopération renforcée pour avancer, donc ils sont volontaires pour avancer sur la TPF et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc les discussions sont embourbées, on va continuer de la pousser et moi je veux croire qu'on y arrivera, même s'il faut aussi se prendre, réfléchir à d'autres ressources propres pour assurer d'atteindre le montant nécessaire pour rembourser l'emprunt. Je voudrais quand même réagir aussi sur
ce que disait Madame Mélin sur le fait que les Français seraient contre le principe des ressources propres. Pardon, mais les Français, ils sont pour la taxation des géants du numérique. Les Français, ils sont pour qu'on fasse payer les entreprises chinoises qui polluent. Et ça, on ne peut le faire, et de manière efficace, qu'à l'échelle européenne, premièrement. Et ensuite, on a promis aux Français que ce n'est pas eux qui allaient rembourser le plan de relance, mais que ce sont ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôts, en l'occurrence, les géants du numérique et les entreprises chinoises qui polluent. Donc cet engagement politique, il est très fort. On va tout faire pour le tenir, malgré la règle de l'unanimité. Et des États réfractaires pourront compter sur la pression du Parlement européen. Et comme l'a dit David, on a aussi besoin, côté français, il n'y a pas de sujet sur la question des ressources propres, évidemment, et on a besoin des parlements nationaux pour qu'ils poussent leurs gouvernements respectifs. Un dernier point sur la question, je crois que tous les groupes pro-européens sont d'accord sur le fait qu'il ne faut pas opposer souveraineté nationale et souveraineté européenne, que dans le contexte qu'on vit par ailleurs, d'autant plus on avancera sur la souveraineté européenne, plus on protégera les souverainetés nationales et vice-versa. Et les différentes crises qu'on a traversées, qu'on est en train de traverser, nous démontrent à quel point on est dépendant. Nos niveaux de dépendance en matière industrielle, en matière énergétique évidemment, en matière militaire. Et je crois que vraiment, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour avancer sur cette question de l'autonomie stratégique européenne. On sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain, on sait que ça ne se fera pas à faible coût. Et donc, typiquement, je pense que c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, notre groupe Renew est mobilisé. On a proposé l'initiative d'un fonds SAFE pour l'autonomie stratégique. Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union, a annoncé un fonds pour la souveraineté de l'Union européenne. Je pense véritablement qu'on a des outils sur la table et qu'il faut trouver les bons financements. Et il ne faut pas exclure un nouvel emprunt en commun parce que les États, on connaît la situation des finances, et on sait que les finances des États sont exsangues. Et plus on va avancer dans le temps, plus l'emprunt en commun sera pertinent pour les États membres. Donc, je pense que la solidarité européenne doit jouer à court, moyen et long terme. Et j'en termine là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci, chers collègues. Et je vous dis à très bientôt en commission. On doit aller en séance. Au revoir. À bientôt. Bon courage. Merci. À bientôt. Au revoir.